Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de ramasser des fragments de gemmes à l'extérieur des chambres fortes des 7 aux stations de service, à des lieux dits différents, etc. etc. C'est tout simplement les défis de Shanta qui va vous permettre de débloquer des équipements supplémentaires que vous allez pouvoir modifier sur votre skin Shanta. Alors pour ce faire, moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans quête, ensuite vous allez dans Shanta et là vous voyez il est marqué le premier défi, ramasser des fragments de gemmes à l'extérieur des chambres fortes des 7. Donc là, quand vous êtes ici, ben vous voyez exactement où vous devez aller. Donc ce que vous faites, c'est que vous placez votre ping exactement comme moi, je suis en train de le faire. Et ensuite, ben vous allez vous rendre à cet emplacement. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais me rendre au ping que j'ai envoyé, enfin que j'ai mis sur la map. Et là, regardez, donc là, il y en a 6. Donc il y a les 6 ping, enfin il y a les 6 points d'esclavage. Ah non, il y en a même 7. On doit en ramasser 6 et il y a 7 chambres fortes déjà. Alors attendez, hop. Ensuite, regardez, quand vous allez dans fragments de station, ben, vous voyez toutes les stations service. Ensuite, quand vous allez dans les gemmes des lieux dits, ben, vous voyez tous les lieux dits. Et je pense que la quête, accomplir les quêtes 1 de Shanta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense que c'est possiblement aussi des fragments. Alors, je ne suis pas sûr, mais c'est possible. Donc, si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour voir si vraiment c'est que des fragments qu'il faut ramasser. Alors regardez sur ma carte en haut à droite, je ne sais pas si on la voit directement ici ou si on le voit. Quand vous approchez du lieu dit ou du lieu où il y a un fragment, il est affiché sur votre carte. Donc ma mini carte aussi l'affiche en haut à droite. Donc ce que vous avez à faire, c'est tout simplement vous diriger vers cet emplacement et regarder en hauteur, donc au sous-sol, en hauteur, un peu partout, voir si vous le trouvez. Donc là regardez, ça c'est le fragment, je vais le ramasser. Donc attendez, on va se mettre comme ça. Ce sera peut-être pour la miniature, ça peut être utile. Ensuite, pour le ramasser, vous avez juste à passer dessus, comme ça, ça ramasse le fragment. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulomike et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, yummy, yummy.